Salut tout le monde, c'est Pixel. J'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien. On se retrouve en ce mercredi pour la découverte de la démo de The Princict. Oh oui, nous allons directement mettre le cap vers Averno City en 1983. Notre père ne peut reposer en paix car les gangs règnent sur cette ville malfamée. Nous devrons nettoyer les rues, découvrir la vérité et participer à des courses-poursuites endiablées. Nous sommes partis, nous sommes policiers et nous allons jouer à un GTA-like en vue du dessus comme dans les années 90. J'espère que ça vous fait plaisir. Moi ça me fait énormément plaisir, ça me fait penser au tout premier GTA que j'avais roxé à l'époque quand j'avais la PlayStation 1, quand j'étais jeune et quand j'avais 6 doigts de pied. Ça n'a aucun rapport mais j'ai envie de le dire. Bref, juste avant, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. Attendez, j'ai mon téléphone qui vient de sonner. Bref, je l'ai éteint. N'hésitez pas à rejoindre en description de vidéo le lien pour le Discord et le lien pour la chaîne Twitch où je fais des lives le mercredi soir et le vendredi soir. Et en ce moment, je suis sur Stalker 1, on est à la fin, et sur Assassin's Creed Odyssey, où on a plus de 60 heures de jeu. Voilà, parce que nous sommes des dingues. Eh bien écoutez, le jeu nous dit d'y jouer à la manette. Donc, on va essayer au clavier, et si vraiment c'est trop dark, eh ben on ira à la manette. C'est juste que la flemme. Eh bien écoutez, jouez au jeu, c'est parti. Ah, je vous l'ai dit, hein, c'est du GTA vu du dessus. Hein. Oh là 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 là. Les années 80. On va voir Schwarzy. Il va arriver dans Terminator. Il va essayer de nous tuer. Mon Dieu. Oh là là, et ces musiques que j'adore. Pour ceux qui suivraient les lives, j'ai beaucoup de musique comme ça. Oh, ça me fait penser à L'Arme Fatale. Welcome to Averno City. It may look peaceful from here. Trust me, it's rotten to the bone. That's where we come in. Averno's finest. We swore an oath to protect this city, to look out for the citizens walking those streets below. There's bad guys, and there's good guys. And then there's us, all balancing on a knife edge, fighting each other just to survive. But it's a fight we're losing, and everybody knows it. We're understaffed, underpaid, and overworked. Worse than that, we got targets on our backs, and every low-life punk and thug thinks they can take aim. Heck, a few of us might even deserve those targets. Not all of Averno's finest are that fine. We got our fair share of rot, too. What good is an oath of honor if you got no honor to betray? But me, I believe in the badge. That chunk of metal means something. And hey, some days the good guys come out on top. But most days not so much. All the while the fight rages on. The lucky ones get a flag and a plaque. The unlucky ones get a flag and a 21-gun salute. Why do we do it? Truth is, for some of us it's all we know. But for others, it's in our blood. Oh là là, The Princict. La voix du mec me fait penser à quelqu'un. Alors, je sais pas si on va avoir encore une cinématique, mais elle me fait penser à quelqu'un, je vous le dirai tout à l'heure. Oh mon Dieu! And they remain at large. Chandler, Sayers, you're covering downtown. Keep them peeled. These guys are no joke. You got a bus. All right, I know you're dying to get out there. Can't wait. But before you all charge into the blue, I want to introduce you to our newest tender lamb fresh out of the academy. Bah! Where's Bo Peep? Ah oui, on se fait boulise. I could tell you where she was last night. This officer graduated from the academy at the top of his class. Yeah, that and 50 cents will get you a cup of coffee. And Nick Cordell Jr. What? No way. Will obviously have some big shoes to fill. Jesus, what the... Seriously? They assigned him here? Kowalski, if I may. I don't have to tell anyone in here about the late Chief Cordell, his stellar record, the respect you had for him, his untimely death. I especially don't have Il to tell de notre père, Officer Cordell, who's lived with it every day of the last 5 years. But there is one thing I do want to remind you of. Every single one of you took an oath to protect this city, its residents, and your fellow brothers in blue. That's what matters.
I don't care what your last name is, who your daddy was, or who you hang out with on your day off. Our worth comes from what we do, not who we know. I want you to welcome Officer Cordell, but I'm not asking you to take it easy on him. On it. Or hard on him. He's a cop, just like you, just like me. We're the ones out there making the hard choices, and those choices are what make us who we are. And Cordell, you're gonna have to learn the streets and the precinct the same way these mooks did. Are we clear? Yes, sir. Crystal, sir. Absolutely, sir. Thank you, officers. Watch, Commander. Appreciated, Chief. Sergeant Kelly? Yeah, boss? The Rook's with you. I pulled the last one. Why do you think I'm giving you this one? Because I did something in a past life? You did something? I'll alert the media. All right, squad. Let's get out there and make Averno City proud. Yes, ma'am. Time to pound pavement. Come on, Rook. Let's go for a drive. Alors. Juste un truc. Je sais pas pour vous, mais cette présentation de personnage est nulle à yèche. On voit que tout le budget passé dans le monde ouvert et dans le parce que c'est en fait c'est dur de faire un monde ouvert, ça coûte énormément d'argent, mais ils auraient pu trouver autre chose quoi. Parce que là, ça fait jeu mobile. Hein. Je suis désolé. Hein. Voilà, je le dis. Hein, c'est jeu mobile. Par contre, pour l'audio, vous voyez, hein, je suis à moins de la moitié. La musique, on va peut-être l'augmenter parce que elle me fait kiffer, la musique. Les effets, on va... Alors, si ça, c'est ça, les effets, on va les baisser. Les dialogues, on va les laisser. On va voir. Mais au secours. Et pourtant, j'ai tout à fond. Hein. Au secours. Bon, oui, et d'ailleurs, juste avant, vous savez, là, au départ, on a eu une intro avec un personnage qui parlait, là, qui parlait de la ville, que c'était pourri et tout. Vous savez à qui ça m'a fait penser ? GTA Vice City. My name is Fernando Martinez. La radio, c'est Emotion TV, je crois, c'est ça. Fernando Martinez. Il a exactement la même voix. Vous allez sur YouTube, vous tapez Flash FM Vice City et vous allez voir. Flash FM, Emotion, ouais, c'est ça, Emotion TV. Enfin, je ne sais plus comment ça s'appelle. Emotion, de la radio Emotion sur Vice City, c'est exactement lui. Bref. Eh bien, écoutez, attendez, je bouge un peu le micro. Attention, ça va faire un peu de bruit. Hop, voilà, merci. Et on est parti. Je joue au clavier. Hop, on se lève. Donc, on s'est fait un peu boulise. Oh, il y a de la physique, ça. Wouh! Attendez, on peut parler? Mon tabac, il est importé d'Indonésie. Ah. Et en dehors de ça, mon tabac est... Ok, donc on est là. On est beau. Donc, c'est elle qui nous a parlé comme une vieille chaussette. Je regarde, on peut pas s'accroupir et tout. Non, on n'a rien. Eh bien, écoutez, quittez le commissariat, on est parti. Est-ce que ça s'ouvre automatiquement? Oh là. C'est stylé, c'est vraiment comme dans les années 80, comme dans les films. Bonjour, comment allez-vous? Les murs ont des oreilles. Ah, merde. Et vous allez comment, monsieur? On peut pas lui parler. Attends, j'essaye de voir si on peut parler à du monde. Tiens, on va embêter des gens. Bonjour, excusez-moi. Oui, c'est pour une déposition. vous venez vous plaindre de quoi, madame? Mon portail m'a attaqué. Oh, j'adore. Ah, ça, c'est le chef. Mon but, c'est d'avoir un sandwich qui porte mon nom. Ah ouais, bon, bah écoute, allez, on se casse de là. Ouah. Alors ça, par contre, ils auraient pu l'enlever. Ouais, c'est bizarre. Mais bon, bref, écoutez. Ouah, il y a des junkies! Ouah! Waouh, la dingue. Alors là, c'est l'entrée, ok. Comme dans, bien entendu, dans Terminator, dans le premier, quand il fait « Je reviendrai », il revient, il défonce tout. Allez, c'est parti. On y va, maintenir pour sortir. Welcome to the ACPD, kid. Time for our first mission, sustenance. But, you can drive. Ah oui, notre première mission, acheter des donuts. Oh, and don't worry about the fellas. They like to act tough, but that's just because they don't have my natural good looks and winning personality. Ok, donc là, la personne qui était à côté de lui, c'était nous, hein, si j'ai bien compris. Je vois qu'on peut... On a un taser. Pourquoi? D'où on a un taser dans les années 80? En 83, il n'y avait pas de taser, non? Ou alors j'ai raté un truc. Ou alors côté américain, vu qu'ils sont en avance, quand tu vois que dans les années... fin années 40, ils avaient déjà la climatisation sur leur bagnole. Peut-être. Donc là, on va devoir rouler avec ça.
Ok. Alors, juste avant, il y a un truc qui me dérange. Alors, je suis désolé. Hein. Là, il y en a qui auraient pu dire « T'aurais pu faire les tests avant. » Non, parce que je voulais pas me spoil. Pour de vrai. Je ne voulais pas me spoil du jeu. Je voulais pas du tout. Là, c'est vraiment de la découverte pure et dure. Allez, hop, on rentre. Bon, allez, Kelly, tu montes ou pas? Accepté, c'est bon, on sait conduire. I bet you learn all kinds of fancy driving at the academy, but for now, let's just take it slow and steady. Don't want to scratch the paint job on your first day. Ouais, non, mais t'inquiète pas. Swing by the hot dog stand in Chinatown. There's a parking bay there. Ah ouais, non, mais par contre, le son, il est à fond, là, non? Non, c'est bon. Oh! Excusez-moi! J'essaye de conduire correctement. Conduire jusqu'au stand de hot dog. Voilà, là, attendez, on peut faire des burnes? Est-ce que je peux mettre la... Oh là 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 là! C'est parti! Poussez-vous! Oui, je sais, hein, je vois le tracé en bas. Poussez-vous! C'est la police, comme dans les films américains! Wouah! Oh, excellent! Ouais, ouais, t'inquiète pas! Poussez-vous! On va appréhender un hot dog! Oh là là, oh là là, oh là là! Wouh! C'est excellent! Juste pour ça, c'est excellent. Attention, attention. Oh merde. You die. Bon, pardon. Excusez-moi. Oh, attends, on peut parler aux gens. Cette affectation est... Ah, merde, fait chier. Allez. Oh, on peut ouvrir le coffre. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Changer, qu'est-ce que je peux prendre? Je peux rien prendre d'autre. Bon, eh ben tant pis. Oh, c'est excellent! Allez, on est parti! Allez, vite! Poussez-vous! Poussez-vous! Oh, c'est excellent! Oh, c'est excellent de fou! Attention! Juste pour aller chercher un hot dog. Poussez-vous! Le hot dog va être froid! Oh, attention, on va faire un burn. Attention, attention. Ah merde. Good job, rookie. Time for some chat. De rien, de rien, de rien. Monsieur, on vient chercher notre hot dog. Ah, tube steak. Breakfast of champions. Le mec, là, j'ai entendu la station exploser. Est-ce que c'est normal? Alors, qu'est-ce qu'on prend? La totale, tout sauf la viande. Non, mais non, ça va. Juste du ketchup, la totale. Non, juste du ketchup. Just ketchup. Clean and simple, huh? I like that. What's the damage for Reed? Leo, my friend, for you, no charge. Putain, c'est Anatoly. Il est en train de nous parler. Il va nous soulever. Time, don't you? Ah, breathe it in, kid. Best part of the day. Besides, you can't patrol on an empty stomach. You know, your old man liked his dog still. J'en sais rien, jamais connu, il était toujours dans sa voiture. We came up to the academy together. À chasser les méchants. Paths when we got on the force, though. He wasn't gonna let anything get in his way. And me, well, let's just say, water finds its level. And my level is, easy mode. Ok. Oula! Attaque à ma armée à la banque! On y va! Vite! Vite! Alors, lorsque vous intervenez en urgence. Oui, on les met, on les met, on est dingue! C'est parti! Attention! On fait peur à tout le monde! Attendez! C'est pour être un peu dans le truc épique! On arrive! Poussez-vous! Poussez-vous! Laissez faire la police! C'est excellent. Au clavier, c'est gérable. Hein. Il dit que non au départ, le jeu, mais... Oh, attendez! Poussez-vous! Poussez-vous, on arrive! Oh, attends. Non, attends, j'ai vu une dinguerie, là. J'ai vu une dinguerie. Mais merde! Ça va! Merde, on doit vite. Grouille-toi, on a du temps, j'avais pas vu. Pardon. Excusez-moi. Je sais,
Vous allez gueuler, mais on est là pour s'amuser. C'est un bac à... Oh, oh, stylé. Attendez, attendez, oh là 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 là. Attendez, comme dans les films. Ah, merde. Attendez, je finis mon hot dog, cheeseburger, hamburger. Oh là 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 là. On arrive vite. On n'a pas le temps, Steven. Il faut y aller. C'est parti. Oh là 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 là. Poussez-vous. Poussez-vous vite. On aurait pu passer au milieu, hein. C'est pas grave. Le mec, il nettoie sa bagnole. Poussez-vous. Poussez-vous. Poussez-vous, monsieur. Mais non, mais ça va, il a rien eu. Mais non, mais faut arrêter. Ah merde, mais c'est dingue ça. C'est la police ou c'est les restos du cœur là? Ah, Christ on a crutch. Attendez, coup de sirène. Ah merde, j'avais pas vu qu'il y avait quelqu'un. Pardon. Ouais, on y va. On y va. Cette fois-ci, on est des dingues. Poussez-vous. Oh là là, celui-là, il était beau. Celui-là, il pourrait être filmé. Attention. C'est bon, je suis bien mis là. On est là. Que se passe-t-il? Alors, clic droit pour viser, clic gauche pour tirer, recharger, se mettre à couvert. On se met à couvert. Now remember. Remember. Warning. If they don't throw them down, we take them down. Get ready. Force mortelle. C'est parti. Voilà, là, 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 ça rigole zéro. Hop, ça c'est fait. Pas de reddition. Bah, vous êtes en train de mourir là. Ok. Ça c'est fait. Et voilà. Oh, il y a même l'hélico et tout. Ouais, t'inquiète, tu vas te rendre, mais juste avant, je vais m'occuper de tes collègues. Putain, on les a déboîtés, hein. Hop. Eh ben, pas de reddition, mais ça servit à rien, mon petit. Me noter. Lorsqu'un suspect se rend, le niveau de force autorisé redescend à pas de force. Et il peut être... Alors... ok. Bon, bah il est arrêté. Il peut pas revenir. Par contre, il a une tonne de billets derrière le dos. Oh! Et il nous voit passer, prendre le lavomatique et tout. There's movement at the back of the building. More criminals coming out. They're boarding a vehicle. It's a dark van. Oh, la course poursuite. Oh my goodness! Keep it tuned to ACTV, folks. Looks like we're in for a police pursuit. Vite! Close the gap, Boots. On est parti! Par contre, le son des voix diffère en fonction de qui c'est qui parle. Alors vous aurez une inégalité de son hein, sur le jeu. Je suis désolé, mais force non mortelle. Appelez des renforts quand le besoin s'en fait sentir. Vous recevez des jetons d'assistance si vous êtes efficace. Ok. Poussez-vous! Je m'en doutais. Ah bah oui, mais... Là, je peux pas, là. Là, la course-poursuite, désolé, mais... Allez, on appelle. Hélicoptère de renfort pour éviter de perdre la personne. Qu'est-ce qu'il fait? Si le véhicule suspect représente un danger mortel, pour vous, autrui, vous êtes en... Ok. Allez, on le fume. Ah! Mais pourquoi elle roule pas cette voiture? C'est bon, dans tous les cas, on a l'hélicoptère avec nous. On s'en fout. Allez. Ouais, et en plus il pleut. Allez! Oh! On arrive! Je sais pas qui c'est qui s'est fait un fumex là, mais il nous faut une voiture de renfort. Oh! 22, là les flics! Pousse-toi! Voilà.
C'est bon. Alors là, mon gars. They've ditched the vehicle. Menotté. Donnez toujours l'opportunité à un suspect de se rendre sans faire de vagues avec une sommation orale. Lorsque sa jauge de résistance, il se rend. Ouais, dans tous les cas, il s'était déjà rendu là. Menotté. Oh là 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 là, là. Magnifique. Pursuit has been terminated. Conduire. Whew, you did good, kid. Not everyone handles a pursuit like that on their first day. Magnifique, bonjour madame. On peut lui parler? Eh merde, on peut pas. Hein. J'aurais adoré lui parler. Ok. Ah, escorter le suspect jusqu'au... Poussez-vous madame. Top, c'est une japonaise. C'est une ninja de Chine. Oh là 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 là. Poussez-vous. La voiture est nickel hein, par contre, hein, alors qu'on vient de littéralement se prendre un camion dans la tronche. Attendez, j'essaye de bien me garer. Ouah, c'est un enfer. Ah ouais, par contre là, poussez-vous quand même, j'essaye de me garer. Voilà, regardez, je suis bien garé là. Parfait. Oh, l'ambiance est là, l'ambiance est folle. On doit enregistrer le suspect. Est-ce qu'on fait l'interrogatoire? Bon, là, il n'y en a pas trop, hein, mais... Alors, on se met là et on attend, c'est ça? Allez, amène-le. Ah, oh, il a les billets et tout. Come on, Cordell. There's someone I want you to meet. Oh, et c'est musique! Alors, c'est quoi? Parler? Je dois parler à qui? À toi? Se rendre dans la salle des scellés. D'accord, ok. Oh, cette musique! Voilà la nuque! Regardez la nana, comment elle est posée. Regardez la nuque. Ah ouais. Oh, ils le mettent en prison. Enlevez-lui les billets, quand même. Hein. S'il vous plaît. Salle des archives. Est-ce que je peux y rentrer? Non. Ah non, il faut que j'aille voir le préposé. Mean Gene, what's today's major malfunction? Oh, the usual... Misfiled evidence, sloppy dockets, illegible handwriting, contaminated evidence. I'm surprised some of your friends here made it out of grade school. Cordell, meet Eugene, our evidence guy. Eugene Papadopoulos at your service. Voilà. Did Kelly try the old... Il était dans un roman de Tintin, enfin une BD de Tintin. On you yet? Hey! Thought so. He doesn't tend to lift a finger unless there's a gun drawn or a chance he might get pizza. Anyway, my job is to know where everything is. Which basically means tracking down whatever you humps, misfile, mislabel, or otherwise misplace. We do our best. Oh, I'm well aware of this unit's, limitations. Anyway, when you collect any evidence, you come see me. I'll make sure it's safe. You're a peach, Gene. Never change. Wasn't planning on it. All right, kid. You did good today. But that won't mean a fart in a windstorm tomorrow. I'm out of here. I'll see you in the morning. Qui dit ça? Unless I die in my sleep. God, that sounds pretty good, doesn't it? Mais qui dit ça? Ouais, cette musique. Oh, avec le gros bump derrière. Est-ce que je peux courir? Et là sur le bureau. Et merde, je peux pas. Est-ce qu'on peut leur parler? Dis ça, Merin. Ah oui, d'accord. Ah ouais, ah oui. Ah oui, ça parle mal. Ça parle mal de fou. Eh bien, écoutez, les amis, je vais pas vous spoiler toute la démo si vous voulez le découvrir. C'était The Princict. Ça fait une petite vingtaine de minutes au niveau de la vidéo. C'était pour vous montrer un petit peu le jeu. Je l'attends avec impatience. Les développeurs, comment vous expliquer enfin, je suis sur la liste des gens pour présenter le jeu quand il sera sorti. Voilà, c'était juste pour me marrer, j'avais envie de présenter cette petite démo. C'est à vous de la finir pour éviter de trop vous spoiler. Si le jeu vous plaît, la démo elle va pas être longue. Et ça serait dommage pour moi de tout vous montrer. Pour l'heure, je vous fais d'énormes bisous. Je vous laisse avec cette magnifique musique. Oh là là. Oh, c'est énorme. Allez, salut tout le monde.